Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous un grand drame social. Ce spectacle vous prouvera que le vice est toujours puni. Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous la vertu, une comédie à tendance morale. Qu'est-ce que vous faites là? J'annonce la comédie. Mais c'est à moi de la... Pas du tout, c'est à moi. Mesdames et messieurs, n'écoutez pas ces braves gens. La pièce que nous allons vous montrer n'est ni un drame, ni une comédie. Elle ne comporte aucune attention morale, et elle ne vous prouvera rien du tout. Les personnages n'en sont ni des héros, ni de sombres traits. Ce sont de pauvres hommes, comme moi, comme vous. Il y en a trois principaux. Lui, elle et l'autre, comme toujours. Lui, c'est un brave type, timide, pas tout jeune, mais extraordinairement naïf. Il s'est fait une culture intellectuelle et sentimentale au-dessus du milieu où il évolue, de telle sorte que dans ce milieu, il a exactement l'air d'un imbécile. Elle, c'est une petite femme qui a son charme à elle et sa vulgarité personnelle. Elle est toujours sincère, elle ment tout le temps. L'autre, c'est le manque d'aider et rien de plus. Et maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer.